Vous vous demandez peut-être pourquoi la vie vous semble plus difficile qu'aux autres. C'est parce que vous êtes une personne hautement spirituelle qui traverse les épreuves de la vie pour se connecter à une puissance supérieure. Aujourd'hui, nous allons examiner les défis courants auxquels sont confrontées les personnes hautement spirituelles dans leur parcours de vie et la manière dont le fait de surmonter ces défis les rapproche d'une compréhension spirituelle plus profonde. La nuit noire de l'âme est une phase difficile de la croissance spirituelle. C'est comme un voyage introspectif profond au cours duquel vous explorez votre propre conscience. Cette crise peut sembler déroutante, car elle révèle votre vrai moi et ceux qui comptent vraiment. Les choses qui vous rendaient heureux peuvent ne plus l'être, et les vieilles habitudes peuvent montrer leur côté négatif. Ce processus est difficile mais crucial pour le développement personnel, comme si vous vous débarrassiez de votre vieille peau pour faire de la place à la nouvelle. Il implique souvent la perte de relations et d'activités qui ne correspondent pas à l'évolution de votre vérité. En guise de remerciement pour votre présence sur cette vidéo, nous vous offrons le livre spirituel « Le Kybalion ». Il renferme des savoirs anciens précieux. Cliquez sur le lien dans la description ci-dessous pour le récupérer. Il se peut que vous remettiez en question votre existence, mais en affrontant ces défis, vous vous transformez et devenez mieux équipé pour maintenir une forme de conscience plus pure au cours de votre voyage spirituel. Vous pouvez rechercher des vérités claires et absolues, mais les choses ne sont pas si simples. La spiritualité peut être déroutante et remplie de paradoxes. Ce qui est vrai pour une personne peut ne pas l'être pour une autre. Les règles du monde physique ne s'appliquent pas toujours au monde spirituel. Cela signifie que nous devons naviguer à travers des couches de compréhension et réaliser que la vérité peut changer en fonction de la situation. La gestion de ces vérités complexes peut également s'avérer mystérieuse et difficile. Il y a des aspects du divin et de l'univers que nous ne comprendrons peut-être jamais complètement. Au lieu de considérer cela comme une limitation, nous pouvons y voir une chance d'explorer ce que nous ne savons pas. Notre monde préfère souvent les réponses claires, mais embrasser cette complexité signifie embrasser le doute et l'incertitude, ce qui peut être une bonne chose. Le doute peut nous encourager à poser davantage de questions et à éviter de considérer les choses comme acquises. L'incertitude peut nous aider à rester humbles et ouverts à de nouvelles possibilités. Au cours de votre voyage, vous découvrirez peut-être que certaines de vos anciennes croyances ne vous conviennent plus. Cela fait naturellement partie de la croissance de votre âme. À chaque niveau de complexité, vous en apprenez davantage sur la façon dont tout est lié, dont les choses changent et dont la conscience est éternelle. La recherche d'un amour profond et significatif peut être difficile pour ceux qui sont sur un chemin spirituel. Il ne s'agit pas seulement de trouver un partenaire, mais quelqu'un qui se connecte vraiment à votre moi intérieur. Vous avez compris que l'amour est plus qu'un simple sentiment ou une attirance physique. C'est une union sacrée qui élève votre âme. Cela rend la recherche de l'amour plus difficile dans un monde qui préfère les relations rapides et décontractées. Vous avez envie de conversations qui explorent les mystères de la vie et vous voulez un partenaire qui partage le même cheminement spirituel. Pour trouver cet amour spécial, vous devez d'abord vous aimer et vous comprendre. Soyez patient et croyez que la bonne personne viendra au bon moment. Lorsque vous partagez votre amour avec le monde, il devient une lumière qui guide votre véritable amour vers vous.
la souffrance est un élément fondamental de la vie, qui nous affecte de multiples façons, de la douleur physique à la détresse émotionnelle. Au cours de notre voyage spirituel, nous devons apprendre de la souffrance plutôt que de l'éviter. Il ne s'agit pas de rechercher la douleur, mais de comprendre son rôle dans notre développement personnel. La souffrance peut briser notre ego et nous aider à ressentir de la compassion pour nous-mêmes et pour les autres. Elle peut également conduire à des changements transformateurs dans notre vie, en nous poussant à réévaluer notre orientation et à découvrir notre force intérieure. Les traditions de sagesse suggèrent que nous ne devrions pas fuir la souffrance, mais plutôt l'affronter avec conscience. Cela signifie reconnaître notre douleur, comprendre ses origines et en tirer des leçons. Nous devons reconnaître que la souffrance fait partie de la vie, mais ne pas la laisser nous définir. Intégrer la souffrance dans notre cheminement spirituel nous apprend à lâcher prise sur ce que nous ne pouvons pas contrôler et à nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler. Les actes de bonté et de compassion peuvent transformer notre souffrance personnelle en guérison pour nous-mêmes et pour les autres, marquant ainsi une étape importante dans notre croissance spirituelle. Le voyage spirituel peut s'avérer très difficile. L'un d'entre eux consiste à apprendre à lâcher prise. Cela peut paraître simple, mais c'est en fait une tâche complexe. Lâcher prise signifie renoncer à notre attachement profond, aux idées, aux désirs et aux choses. Cela inclut les possessions, les vieilles croyances, les rancunes et les déceptions passées, tout ce qui nous empêche de grandir spirituellement. Pourquoi est-il si difficile de lâcher prise? Notre ego, la partie de nous qui pense que nous sommes séparés, aime s'accrocher aux choses. Il trouve son identité dans le passé et se sent en sécurité en terrain connu. Nous avons tendance à nous accrocher à des expériences, des relations et des identités, même lorsqu'elles ne nous servent plus ou nous rendent malheureux. Cet attachement crée un faux sentiment de contrôle et de sécurité. Le lâcher-prise, en revanche, nous demande d'affronter l'inconnu, d'accepter l'incertitude et de faire confiance au déroulement de la vie. Il est étroitement lié à la pratique de la confiance, qui consiste à s'en remettre à une sagesse plus grande qui guide toute l'existence. Pour faire confiance au cours naturel de la vie, il faut avoir foi en la bonté de l'univers plutôt que de s'en remettre à des résultats spécifiques. Lorsque nous relâchons notre emprise sur le contrôle, nous laissons la place à de nouvelles expériences, à de nouvelles opportunités et à de nouvelles perspectives. Ce processus permet la croissance et invite la force positive du changement. Le lâcher-prise implique également le pardon, ce qui signifie se libérer du poids des rancunes et des ressentiments. Ce bagage peut bloquer notre énergie spirituelle et nous nuire. Le pardon nous libère des expériences négatives du passé et ouvre notre cœur à la guérison par l'amour. Chaque fois que nous lâchons prise, nous apprenons à être humbles et à accepter que tout dans la vie est temporaire. Notre véritable essence n'est pas liée à ce que nous possédons, mais réside en nous, au plus profond de notre être. Explorer son moi intérieur peut être inconfortable pour les personnes spirituelles. L'autoréflexion revient à avoir une conversation honnête avec soi-même. Cela signifie qu'il faut regarder à l'intérieur de soi, même les parties que nous cachons habituellement, comme les peurs, les doutes et les sentiments forts. Ces choses cachées, souvent appelées l'ombre par les experts, ne sont pas seulement de mauvaises choses. Il peut aussi s'agir de nos talents cachés et de l'énergie que nous avons dissimulée pour nous intégrer aux autres. Faire le travail de l'ombre signifie embrasser la vérité, accepter nos défauts et nos forces. Ce n'est pas de l'auto-culpabilisation, mais un moyen de grandir. L'auto-réflexion et le travail de l'ombre reviennent à creuser en profondeur pour comprendre pourquoi nous faisons ce que nous faisons, quelles sont les peurs qui nous animent et d'où viennent nos croyances. C'est un défi, mais c'est important pour la croissance. Au lieu de rejeter des parties de nous-mêmes ou de créer une nouvelle identité, nous cherchons à devenir une personne entière et équilibrée. En tant qu'être spirituel, notre chemin ne consiste pas à être parfait, mais à être complet. Il s'agit d'embrasser toutes les facettes de nous-mêmes, les bonnes et les moins bonnes, les connues et les inconnues. Cela conduit à la forme la plus pure de liberté. Le voyage spirituel commence souvent par un malentendu. Nous pouvons penser qu'il existe une destination finale où nous serons pleinement éclairés, mais la vérité est qu'il s'agit d'un voyage permanent et non d'un point d'arrivée fixe. C'est comme une rivière qui continue de couler, changeant à chaque instant. La clé de la croissance spirituelle consiste à accepter la nature changeante de la vie. Il ne s'agit pas de devenir quelqu'un d'autre, mais de découvrir plus profondément notre véritable moi. Chaque instant est une occasion d'apprendre et de grandir. L'idée d'une amélioration constante peut sembler difficile, mais pensez-y de la manière suivante. Cela rend la vie passionnante. Il n'y a pas de pression pour atteindre un objectif final. Au contraire, vous découvrirez que vos objectifs changent et s'adaptent au fur et à mesure.
L'illumination n'est pas un état permanent, mais une série de moments qui nous aident à mieux comprendre la vie. Il ne s'agit pas d'arrêter d'apprendre, mais d'embrasser la croissance. Le voyage n'est pas toujours facile. Il comporte des hauts et des bas, des succès et des échecs, des joies et des peines. Mais c'est à travers ces expériences que nous savourons vraiment la vie. Tout en poursuivant votre chemin, souvenez-vous de ceci. Le voyage n'a pas de fin, et c'est une bénédiction, pas un fardeau. C'est un cadeau, le cadeau d'une croissance sans fin. J'espère que ces mots illumineront votre esprit. Si vous êtes encore en train de lire, je vous remercie de vous être joint à moi. Si ce message vous touche, partagez-le avec quelqu'un qui pourrait en avoir besoin et dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Je vous souhaite un excellent voyage. Puissiez-vous découvrir la paix et les bénédictions en continuant à avancer.